Bonjour, bonsoir les amis, c'est Ramsès et nous sommes à Boulet TV. C'est encore et toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission d'information. Haïti kidnapping, la police nationale a procédé à l'arrestation du nommé Edner Désir pour auto-kidnapping. Comme quoi, citoyen ça a tellement constaté business kidnapping nan rapporté en pile l'argent en Haïti qu'elle a décidé kidnapper propre tête pâle. Halatraka papa. Toujours dans le dossier kidnapping, bandi exam t'est arrivé enlevé madame Marie-Claude Jean-Louis ensemble avec un l'autre monsieur qui t'est accompagné. Madame Marie-Claude Jean-Louis m'a rappelé nous qui c'est un dirigeant dans staff Unibank. Haïti politique. Selon l'ex-sénateur Yuri La Tortue, le gouvernement d'Ariel Henry serait responsable de l'attaque des bandits armés au niveau du Parlement haïtien lors de la tentative d'installation de Joseph Lambert comme président provisoire. Avant de nous venir avec plus de détails concernant Info Silayo, on a profité de saluer nos amis de la diaspora. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, à nous suivre aux États-Unis, au Brésil, au Chili, en République dominicaine et partout à travers le monde. De ce fait, recevez mes salutations spéciales. Bref, c'est parti. Comme je vous disais en début d'émission, la police nationale d'Haïti a procédé à l'arrestation ce vendredi 15 octobre 2021 du nommé Edner Désir pour auto-kidnapping dans le cadre d'une enquête réalisée suite au dépôt de plainte de sa femme au commissariat de Saint-Marc, faisant croire que son mari a été enlevé par des individus armés mardi dernier dans la zone de Cité-Québro. Edner Désir avoue, lors de son audition à la DCPJ, Artibonite, avoir simulé son propre enlèvement dans le but de soutirer de l'argent à sa mère qui vit à l'étranger. Les complices de la prétendue victime avaient en effet contacté la mère pour exiger la somme de $50,000 US en échange de sa libération. Donc, comme quoi moi capable dire que en Haïti, problème est vraiment profond. Puisque on imagine nous que un citoyen normal a levé un bon matin et puis il dit il fait quoi avec famille que yo kidnappé, yo enlevé et yo mandé yon somme de $50,000 pour capable soutirer propre famille pal de l'agence ila. Donc c'est pour vous dire que Haïti citoyen haïtien gen un problème qui exagéré puisque imaginons que kidnapping nan déjà c'est un bagage qui extrêmement négatif, c'est un problème qui a rongé pays d'Haïti et puis pour regarder gagner des citoyens qui prennent plaisir à bail menti fait croire que yo kidnappé yo pour yo capable soutirer de l'argent à propre famille yo. Donc là moi trouve c'est un problème qui est extrêmement grave. Bon, en tout cas nous on est en Haïti presque rien pas étonné moun tellement moi capable dire que à la base éducation citoyen haïtien li vraiment faible. Donc ça va étonner personne les yon citoyen haïtien li même li fait un bagay qui complètement inacceptable dans société. L'autre cas kidnapping que nous pral parler li concerné Marie-Claude Jean-Louis, un cadre de la Unibank, et Jean-Danick François, président du Grand Orient d'Haïti de 1824, qui ont été enlevés jeudi soir à Thomassin. Donc, c'est kidnapping sous kidnapping. L'autre point nous pral parler, li concerne Yuri La Tortue, lui-même qui fait une déclaration sous gouvernement haïtien. Eh bien, Yuri déclaré que lors de la tentative d'installation de Joseph Lambert comme président provisoire, des bandits qui avaient fait parler la poudre sur le Parlement avaient reçu
plus de 15 millions de gourdes du gouvernement pour commettre un tel forfait. Eh bien, selon Youri la Tortue, lui-même qui a invité dans une émission qui s'est Covington samedi à 6 heures, qui c'est jeudi. Donc, c'est Youri la Tortue qui fait déclaration si là. Mais finalement, où allons-nous dans ce pays? Puisque j'en suis capable de dire, moun ki nan gouvernement, moun ki nan pouvoir exécutif, judiciaire, moun sa c'est des moun qui supposé gagner de grandes qualités morales. Mais en Haïti, nous voyons que c'est pas ça. Ou plus ta envie dit que ce yon colonne vagabond, puisque imaginez-vous, yon ancien sénateur a déclaré que yon premier ministre gagne ouais ensemble avec des gangs armés. T'es chargé. Non pas M. Ramsès.